Allez, aya okao, akolobotea, aya obeti boutier kaiza. Aujourd'hui, on va voir un concept très important qui est la salutation. Donc, vous constatez quand vous apprenez BT que bonjour se dit yao ou ayo. Et merci également se dit yao ou ayo. Donc, vous voyez que c'est le même mot qui est employé pour les deux. Et c'est pareil pour la salutation physique. On peut vous serrer la main pour vous dire bonjour. On peut aussi vous serrer la main pour vous dire merci ou pour vous honorer tout simplement. Donc, si on vous tend la main, ce n'est pas seulement pour dire bonjour, c'est aussi pour dire merci. Vous avez fait quelque chose de bien, pour vous honorer, etc. Donc, saluer, to greet in English, se dira simplement belle, 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 saluer. Je salue, I greet, se dit ebele, ebele, je salue, ebele, je salue un tel, ebele, je te salue, I greet you, se dira ebelei, tout simplement. Ebelei, et ça donne ebelei, ebelei, je te salue. Salue-moi, greet me, se dira simplement beleame, beleame, beleame. Et le e du ame est parfois un peu absorbé, on entend belam, belam, c'est un peu contracté. Belam, beleame. Viens me saluer, come greet me, ça se dira ikam bele. Ike ame bele. Pareil, c'est parfois contracté. Ika mbele. Ika mbele. Viens me saluer. Ike ame bele. Et voilà, maintenant vous savez tout de la salutation. N'hésitez pas à revoir la vidéo. Allez, awatoke yo. La compagnie.